Salut les amis, c'est MM Simulator. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Pokémon Go. Donc il y a peut-être du bruit en fond, c'est normal. Dans le parc où je suis, faut qu'il passe la tondeuse, un peu comme tout le monde. C'est le moment, ça commence. On est en plein mois d'avril, je crois, hein, même presque à la fin avril. Donc voilà, donc on va se faire une petite vidéo Pokémon Go. Il va y avoir des coupures, il va y avoir des accélérés, il va y avoir des trucs. Et tout se passera bien. Donc il n'y aura pas le son du jeu parce que je il enregistre que par le micro en fait, il enregistre pas le son du jeu, sinon je l'aurais fait plus tôt. Ben, je crois, à moins qu'il existe un moyen d'enregistrer le son du jeu sans passer par le micro. Donc on va se retrouver tout de suite. Hop, on va démarrer. Merde, l'application, je n'ai rien fait encore. J'aurais pu, mais non, j'ai pas voulu commencer sans vous. Donc j'ai pas encore allumé l'application. Bon, j'ai des lunettes de soleil normal. Il n'y a pas de soleil pour l'instant parce qu'on est à l'ombre. Mais bien sûr, là où on va aller, puisque je vais faire le même tour que d'habitude, c'est de voir s'il y a des Pokémon rares. Parce que ça arrive parfois. Ou des Pokémon que je n'ai pas encore fait évoluer. Ou d'autres choses du genre. Chose qui est très rare aussi dans la 2G. Après, il y a toujours la première G que j'ai pas tous les Pokémon. Il y en a beaucoup que j'ai pas. Donc on démarre l'appli. Vous aurez l'écran. Pas encore. Ça charge. La 4G est bonne, mais pas trop. Ça continue, ça charge, c'est parfait. Voilà, on y est. Hop, donc là vous devez avoir l'écran normalement. Bien fait le montage. Aïe, si je l'ai pas bien fait, engueulez-moi dans les commentaires. Là, bon, je passe juste à côté de la tondeuse, donc je sais pas si vous allez l'entendre ou pas. Normalement, oui, parce qu'elle fait quand même un petit peu de bruit quand même. Donc, alors on est parti. On va se prendre le premier Pokéstop qui a droit devant. On va déjà regarder ce qu'il y a. Il y a un Magikarp qui n'est pas dans le parc, c'est cool. Un Gravivol, je n'ai pas Floravol, je crois. Ou Cotovol, peut-être. Cotovol, je crois que c'est le dernier. Cotovol. Si je ne me trompe pas. Voilà, on n'a rien eu de spécial. Parce qu'on a eu pas mal d'objets. Après, c'est pas des objets très intéressants comme. Des pierres d'évolution, quoi. Même si là, à part Stélix, je ne peux pas en faire évoluer d'autres. Donc voilà. Allez hop, on prend le petit Pokéstop ici. C'est parfait. On prend l'autre petit Pokéstop là. Un petit chétif long. Bon, para sec, on n'en a pas besoin. Hein. On va prendre quand même le coxy, on n'en a pas des masses. Mais bon. Ok. Donc comme vous voyez, j'ai pas mal de Pokéball. Voilà, c'est dans la pouquette. Donc je sais pas si. Vous préférez avec le son du jeu ou sans le son du jeu? Parce que voilà, je sais pas, pour moi ça me dérange pas pour moi, mais après. Oh! Ah bah le voilà, lui je l'avais pas dans mon Pokédex. Donc comme vous voyez, on continue à compléter, on complète. Ouais. On complète, mais pas beaucoup. Là c'est pas des gros hein. Voilà! Il était qui vaut 80? Allez, en joli, allez. Tu peux y aller, allez hop. 1 et de 2 et de 3, c'est dans la pouquette. Allez, non. Let's go in the pouquette. Comme vous voyez, celui-là, il lui faut une pierre fleur, une pierre soleil pour le faire évoluer. Pas grand chose de très. Concluant ici,
À part le tournevol là où je sais pas trop comment il s'appelle. J'ai plus son prénom. Mais bon, je l'ai vu tout à l'heure, mais je m'en rappelle pas, je sais plus. Mais bon, c'est pas grave. On passe à la suite. 1, 2, 3, c'est de la pouquette. In my pocket, comme on dit. Alors, de toute façon, j'ai Natu Xatu. Un très bon PC, mais après, bon, c'est pas les IV qui comptent. Là, c'est pas le PC qui compte, c'est plus les IV. Donc voilà, on chope des Pokéballs qui ne me servent strictement à rien. Ou presque. Oh! Il faut toujours que tu voles. Ou Flora vole, ou un truc du genre. What? Un, deux, trois, quatre. Ouh! Ah non, merde, il n'y a que trois là-dedans. Ouh! Il y a un autre comme ça. J'ai l'impression qu'en ce moment, c'est plutôt des vols. C'est quoi ces niveaux tout pourris? Vol insecte. Non, plante insecte, je veux dire. Mais what? Mais. Ne vous inquiétez pas, j'en ai en stock des Pokéballs. J'ai pas mal aussi de Super Bowl, Hyper Bowl, pas trop. Mais. On fait avec ce qu'on a. Le son du jeu est un peu trop fort. Donc les gars, là on a notre mon premier Germignon qui vient d'apparaître. J'espère pouvoir le capturer, t'es pas un gros niveau, j'espère. Bon, 300 c'est pas mal déjà. Allez. Parce que je ne l'ai pas encore. Donc on va essayer de se le prendre. Allez, un petit effet. Et hop, in my pocket. Normalement, ça aurait dû être bon, mais vraiment bon. Deux. Comment ça, deux? Allez, allez, on peut y arriver, on peut y arriver. Comptez, croisez les doigts pour moi, s'il vous plaît. Un. Deux. Mais FDP! Joli, est-ce que ça va suffire? Un, deux, trois, parfait. Notre bon premier Germignon. Donc je n'ai pas encore de Germignon, j'ai eu des Hérissandres, j'ai eu des Caïminus, mais pas encore de Germignon. Machoc. Ok. Je sais pas comment j'ai lancé, hein, franchement. J'ai un petit freeze au milieu là. Un, deux, trois, parfait. Ouais, ça peut être cool, hein, ça peut faire un bon support comme ça. Ouais, on va éviter de faire le con, hein. Oh, hippotrempe, ça peut être intéressant pour avoir un hipporoi que je n'ai pas. J'ai des hippocéans. J'aurais pu mettre un bonbon, tant pis. C'est pas grave. Un bonbon, une banana, banana ou nananab, ou je sais plus trop comment il l'appelle. Bah, c'est vrai que je joue pas trop à Pokémon Go. Ça m'arrive d'y jouer à peu près une fois par semaine. Après, c'est vrai que je suis vraiment pas trop dessus non plus. What the fuck, bro? Tac, voilà, allez hop.
J'espère que ça trompe pas trop au niveau de la caméra. Bah, ça va pour vous. Donc, tac, tac, tac. Voilà. Qu'est-ce qu'on a de bon dans le radar? Rien. Ok, merci. Il est juste 11h. On peut faire le café encore. On va rien à foutre. On va prendre ce vintu. Oh, vous l'avez vu comme moi, je crois que de ce que j'ai vu, c'est une capture critique. En gros, ça veut dire que ça fait un clac et après c'est capture directe. En gros, quand ça fait cette petite poussière jaune, ça m'est arrivé 3-4 fois déjà. C'est déjà pas mal. Explosion de l'œuf. Et puis après, on va... comment dire ? Après l'éclosion de l'œuf, on va faire une petite pause. Parce que une petite pause s'impose. Entre parenthèses, c'est juste pour boire un coup et puis après on reprend. Là, ça va vraiment être du lourd en fait. Je vais faire 3 ou 4 heures de vidéo. Ok. Ok. De calme. Ça se voit que vous voyez pas bien, comment dire, vous voyez pas mes yeux, donc vous pouvez pas comprendre, mais là je suis désespéré. Sur 3 Pokémon, j'en ai 2 qui se sont enfuis, c'est pas bon, ça baisse mon ratio ça. Tac tac. On va essayer, non, c'est pas trop compliqué. Allez, bam. Je m'arrête, c'est juste dans un autre Pokémon par ici. Et après on est reparti. Voilà. Un tour de gland. Pourquoi je me rappelle de son nom maintenant?
1, 2, 3. Par contre, je sais pas si on peut capturer dans la nature un Stelix par exemple, ou un Hyporoi, ou un truc du genre. Ou si c'est aussi très très rare en fait. Aussi rare que les objets qui apparaissent. Je sais pas. Là j'ai du lourd, c'est cool. T'as ce petit de cœur. Bon. On va capturer un peu tout parce que comme ça, ça fait respawn un peu le tout. What the fuck? Il a fait ghost lui. Alors, de quoi est-ce qu'on pourrait parler? Ah ouais. Mais pour vous, ce sera déjà le deuxième tour, donc... Moi je pense. Merde. C'est pas du tout ce que je voulais faire. En plus, c'est niveau 10 ce con. Donc. Putain. C'est dommage qu'il y ait niveau 10 sur les pieds de l'essayer, mais. Ah, je le dis, mais comment. 1, 2. Bien sûr, ça passe pas. Bon, super, cette fois-ci. 1, 2, et pas 3, bien sûr, c'est trop difficile. Hein? Allez, mais merde. Donc dites-moi, n'hésitez pas à me dire, par exemple, s'il y a un Pokémon pour vous qui vous énerve comme celui-là. Je trouve que le tournegrain est assez difficile à attraper. Ouais, c'est juste mon avis. Mais lui, je l'ai déjà attrapé 4 depuis le début de cette vidéo. Un, deux, trois, voilà. C'est comme ça qu'on attrape les Pokémon les plus difficiles. Non, je déconne. Mais de toute façon, le truc, c'est que je vais m'en débarrasser de ces deux clans. Ces daubes. Il est balèze celui-là, je vais peut-être le faire évoluer, même s'il n'a pas forcément très bons idées ou des trucs du genre. Donc j'attrape tout ce qui passe sur mon chemin parce que ça commence à me saouler, ça repop pas. Et dans le radar, ils apparaissent tout le temps en fait, et c'est ça qui est chiant. Mais après, je vais les virer. Parce que j'ai pas de points pour pouvoir acheter des jetons, j'ai pas pour pouvoir acheter des extensions, des trucs comme ça. Ah cool, et c'est ceux de l'année dernière. En gros, je dis cool parce que dans mes oreilles j'ai c'est qui d'ailleurs, c'est Skrillex je crois, c'est en gros, l'Ultra Music Festival de l'année dernière, que j'écoute en fait, il y a des morceaux avec celui de Skrillex, il y avait bien là, j'ai dans les oreilles. J'ai aussi celui d'Hardwell et celui de David Guetta, je crois. Donc pour moi, c'est des très bons DJ qui font le café. En gros, qui te. Bon, bah, on prend le Mimitos. Voilà. Un, deux, trois. Il y a eu un truc rose là, mais je sais pas ce que c'est.
Allez, c'est parti, allez, go, 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 go. Chez Louis. Ah non, c'est juste lui. Donc là, je suis pas comme tout à l'heure, hein, parce que tout à l'heure, j'étais pas ici, mais juste au-dessus, là. Donc ce qui fait que j'étais pas ici, quoi, j'étais là. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, ce genre de vidéo. Et si vous en voulez plus, si... Voilà, pas mal de choses comme ça. Parce que... Je vais peut-être en refaire, mais pas non plus tous les jours. Parce que ça prend du temps. Même si du temps, j'en ai. Un petit chenille pop qui pop. Chenille pop. Attends, des tortues, un truc. Dis voir, c'est le chien de haut. Tu l'as bien fermé. Oh, une autre capture critique. Oh les gars, j'ai vraiment de la chance aujourd'hui. Bon, après c'est sur un Piaf à bec, mais... Capture critique quand même, quoi. Ah, voilà l'œuf, je me poserai après. Vous c'est quoi? Un sablette. Ok, pas de problème. C'est déjà un sablero, c'est dommage. Ça peut tomber sur un petit arbre. Ah oui, c'est vrai que j'ai... Des trucs du jour avaient évolué, mais... On le fera dans une prochaine vidéo. J'en garde un peu sous le coude. Non, là c'est juste une séance de capture, je vais vous raccourcir tout ça. En gros, je vais. Comment dire. Je vais faire 3 ou 4 heures de vidéo. Et puis, vous allez voir une heure, voire une demi-heure. Voilà. Entre les accélérés et les coupures, en gros, vous allez voir que 2 heures. À tout péter. Donc voilà. Il n'y a même pas grand chose ici. Allez hop. Ça comme ça. Hein? Parfait. New Curl.
Donc on va continuer à essayer de capturer 2-3 Pokémon existants dans le coin. Parce que là, il n'y en a plus. Donc j'ai pas encore d'œufs, je crois. Regardez, hop, j'ai enlevé de sur moi. Et hop, on voit derrière, ça a l'air plutôt cool, hein. Non ? C'est vraiment là où j'étais quand j'ai fait ma vidéo sans abonnés. Tac. Hop. Donc c'est plutôt rapide. Je vais pas bouffer un truc trop petit vers l'extérieur. Hop. Vous savez que j'ai tendance à jamais utiliser les baies. C'est bizarre, hein, mais c'est que je devrais me mettre à m'en servir. Plus souvent, ça m'arrive. Ah merde, j'ai plus de batterie. Bon, on va couper ici. On est reparti pour un tour. Bon. Allons-y, let's go. Merci, c'est des mobilettes. Hop. Est-ce qu'on a des nouveaux trucs dans le coin? On n'a pas grand chose, donc est-ce que je vais y aller maintenant? Je sais pas. Je crois pas. Donc, je crois qu'on va s'arrêter là, hein. J'ai plus rien ici. Par contre, je vais peut-être faire une autre vidéo sur un autre jeu, mais en voiture. Et vous l'aurez plus tard en fait, dans une autre vidéo en fait. Sur téléphone aussi. Donc voilà. Donc on va prendre le petit Pokéstop là. Parce qu'il n'y a plus rien en fait dans le parc, j'ai tout vidé. Donc on va s'arrêter là. Moi je dis clairement, ça sert à pas grand chose qu'on reste plus. T'as rien. Donc perso, et on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Moi je vous dis à plus. C'était MM Simulator. Ciao ciao.